2h43, Andy Murray tient enfin sa première victoire de la saison face à un top 10. Il affrontera la pépite Carlos Alcaraz au prochain tour. Dans cette vidéo, on va revenir en détail sur les deux matchs de la journée, sur le leak aussi de Ben Rothenberg. Vous allez voir, c'est savoureux. On s'installe confortablement, c'est votre premier digest de Vienne et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec un point Coupe Davis. Si, si, cette compétition existe encore, vous ne rêvez pas. Avec le roster de l'équipe de France qui est tombé ce jour, on a donc Richard Gasquet, attention, le GOAT, le Richie Gascounet qui est présent, qui est la tête d'affiche, tête de gondole de notre équipe de France. Ça promet. On a également Pierre-Hugues Herbert, Hugo Humbert qui est sur une pente assez descendante ces dernières semaines, Nicolas Mahut et Arthur Rydarknecht. Alors clairement, on va pas se mentir, c'est pas une équipe qui respire la confiance, qui va cracher des flammes tel Dracofeu. Je pense que quand vous avez un numéro 1 français qui a perdu ses 4 derniers premiers tours, qui a perdu notamment sur un premier tour de Challenger contre Quentin Alice, ça fait un petit peu pâle figure, surtout quand on regarde les autres équipes, et notamment la Russie. Regardez, on a Daniil Medvedev, Karen Khachanov, Aslan Karatsev, Andrei Rublev et Yevgeny Donskoy. Et également, regardez-moi ça, cette squadra azzurra du plus bel effet. On a donc Lorenzo Sonego, on a Lorenzo Musetti également, on a Fabio Fognini, grande Fabio, on a également Yannick Sinner qui vient de remporter Anvers dimanche dernier, et on a Matteo Berrettini en tête d'affiche. C'est quand même pas mal. Donc quand on voit ces équipes par rapport à la nôtre, on se dit qu'on va passer un sale quart d'heure sur cette coupe piquée. Et peut-être également que vous vous posez une question, c'est-à-dire pourquoi il n'y a pas Gaël Monfils présent sur cette compétition. Et regardez, apparemment Sébastien Grosjean, il a posé la question à Gaël Monfils et Gaël Monfils voulait venir, mais c'est juste qu'on préfère faire un mélange entre les jeunes et les vieux. Je vous laisse écouter Seb Grosjean. Il faudra être performant sur chaque rencontre. Donc moi je suis impatient, je suis très motivé, comme les joueurs qui sont sélectionnés, même des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, à qui j'ai échanger, avait envie de représenter la France, donc ça c'est une bonne chose car les joueurs sont toujours motivés, donc voilà, impatient de retrouver cette compétition. Petite langue de bois avec ce zoom sur Sébastien Grosjean qui nous a un petit peu effrayé. Petite langue de bois quand même parce qu'on sait, hein, Gaël Monfils, il a un historique avec l'équipe de France, avec Yannick Noah notamment, qui avait fait ce premier tour en Guadeloupe exprès pour Gaël Monfils. Et ensuite, il y a eu des tensions entre les deux hommes. Gaël Monfils qui s'est toujours un petit peu caché sur les compétitions par équipe avec l'équipe de France. Et là, il nous dit non, Sébastien Grosjean, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il a appelé Gaël Monfils, mais c'est juste un choix sportif. Quel choix sportif quand vous voyez la tronche de l'équipe? Je me pose la question. Une autre question que je vous pose, c'est est-ce que ça vous intéresse la Coupe Davis? On a vu, il y a des équipes quand même qui sont très performantes, là, tous les rosters sont tombés, on va avoir du Cameron Norrie également à présent sur cette Coupe Davis. Est-ce que ça va vous intéresser de la couvrir sur la chaîne ou est-ce que vous allez totalement la boycotter parce que la Coupe piquée, parce que ça ne représente plus du tout la vraie Coupe Davis? Et c'est d'ailleurs l'avis de Alexander Zverev qui nous dit, donc il s'en prend à Gérard Piqué carrément et réaffirme sa volonté de boycotter la Coupe Davis. Quelques propos très rapidement, donc il avait dit en 2019, vous ne pouvez pas ruiner l'histoire de tennis pour de l'argent, c'est quelque chose qui m'attriste et envers, je ne l'ai pas joué il y a 2 ans et cette année je vais faire la même chose. Donc il est très clair, droit dans ses bottes, Alexander Zverev. Je suis un homme de parole, ce n'est pas la vraie Coupe Davis, le format devrait changer. Et en violet, un petit tacle glissé sur Gérard Piqué, donc il dit je veux gagner la Coupe Davis, mais je veux gagner la vraie Coupe Davis, pas un tournoi convenu par une personne. Ça fait mal. Et on enchaîne avec la deuxième info côté réseau, une information essentielle qui nous vient d'un leak donc de Ben Rothenberg, qui est un journaliste tennis qui fait parfois son travail correctement, parfois un petit peu moins bien. Ça, on n'est pas là pour le déterminer ce soir avec cette vidéo, on est plutôt là pour parler de ce leak et donc de ce mail reçu par les joueuse du circuit WTA. Alors qu'est-ce que ce mail stipule? Déjà, ça a été envoyé par Tennis Australia. Le gouvernement australien, vous le savez, il est extrêmement ferme sur la question du Covid. Il est hors de question pour le gouvernement que des joueurs et des joueuses pas vaccinés entrent sur les territoires australiens et puissent disputer l'Open Australie. Mais c'est pas exactement ce qu'a en tête Tennis Australia parce que tout simplement, alors c'est hyper simple, il y a 40% des joueurs actuellement, joueurs et joueuses confondus, qui ne sont pas vaccinés. Et pas des moindres, hein, parce qu'on le sait, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas et Andrei Rublev dans le top 10 ne sont pas encore vaccinés. On a d'ailleurs Novak Djokovic qui a dit moi je vais jouer Bercy, je vais jouer également le Masters et la Coupe Davis, mais par contre l'Open Australie je sais pas encore. Donc il a vraiment, je pense, en coulisses mis un petit peu de pression par rapport à ça. Et donc Tennis Australia, ils se disent il est hors de question de pas avoir des têtes d'affiche comme ça dans notre tournoi. On a le prize money, on a les partenaires, on a les sponsors, le tournoi risque trop gros en fait, il va perdre en attractivité si on n'attire pas ces joueurs là donc Tennis Australia est en train, un petit peu à contre-courant en fait, totalement à contre-courant du gouvernement australien, d'essayer de faire donc deux catégories distinctes sur ce tournoi de l'Open Australie 2022. La
première catégorie, ce sont les joueurs qui seront entièrement vaccinés. Pour eux, pas de souci. Vous arrivez en Australie, vous pouvez avoir accès aux entraînements, vous pouvez avoir accès aux cours. Il n'y a pas de bulle, pas de quarantaine obligatoire du tout. Et d'un autre côté, les joueurs non vaccinés, tels Novak Djokovic, tels Stefano Tsitsipas, qui eux, s'ils ne sont pas vaccinés d'ici là, bien sûr, devront observer 14 jours de hard quarantaine, comme on avait eu hein, sur l'Open Australie 2021 pour tous les joueurs, sauf les personnes qui avaient fait l'exhibition à Adelaide. Rappelez-vous, Dominic Thiem, Rafael Nadal et Novak Djokovic, déjà à cette époque. Donc 14 jours de quarantaine dure, pas de possibilité de s'entraîner, et donc un écart de préparation très important entre les joueurs qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Ce qui a posé également problème dans ce leak, c'est la dernière phrase ici, vous le voyez, nous demandons à chacun de respecter le fait que cette information est confidentielle jusqu'à ce que le gouvernement fasse une annonce officielle. Donc on voit, ça c'est plutôt des tractations plutôt qu'une annonce officielle, et ça n'a pas du tout plu à Victoria Azarenka. Non, Vika est colère par rapport à ce leak, donc elle dit hein, je respecte toujours les journalistes, il est de votre devoir de signaler les choses si elles ne sont pas signalées, mais divulguer des informations avant qu'elles ne soient officiellement annoncées, c'est du putaclic. Alors non Vika, déjà dans un premier temps, c'est pas du putaclic, ça c'est du travail journalistique de leaker des informations, surtout qu'elles prêtent pas forcément à conséquence et que des personnes ne vont pas mourir après que Ben Rothenberg ait leaké cette information précisément. Et puis le vrai putaclic, c'est ce qu'on fait ici sur Service Volé, n'est-ce pas? Et on enchaîne avec le Quantatic, deux rencontres dans ce digest de Vienne, premier épisode. On va commencer par le Carlos Alcaraz, Dan Evans. Je voulais vous montrer une première séquence pour commencer, un slice victorieux ici, un coup gagnant en slice. C'est très très rare de voir ce type de séquence dans un match de très haut niveau. Alcaraz qui va anticiper sur un décalage coup droit, qui va se faire complètement piéger par ce slice. Et Dan Evans, vraiment, hein, dans le top 50, je pense que c'est un des tout meilleurs slices du circuit. Pour Alcaraz, malgré une victoire relativement sèche face à Dan Evans, j'ai envie de vous montrer une chose, pointer du doigt cette lacune encore dans le jeu de cette pépite qui est encore toute jeune sur le circuit, c'est sa première saison complète sur le circuit principal, c'est la qualité de service, et notamment en première balle, on est à 175 ici, hein. C'est un petit peu court, il va se faire complètement défoncer par Evans qui va rentrer dans la balle et remporter le point en deux temps, et sinon pareil en deuxième balle, on oscille entre 130-140 km/h, et du coup il s'est souvent retrouvé à la merci d'Evans qui est un joueur en plus qui adore varier, hein, tenter des slices, ensuite faire des petits chip and charge, tenter des accélérations, etc. Donc pour Alcaraz, c'est clairement la marge de progression principale, ça va être d'assurer beaucoup plus ses services. Alors on accélère, on est à la moitié du deuxième set hein, dans cette séquence, il y a 3-1 pour Dan Evans qui a fait le break hein, sur ce début de deuxième manche, et vous le voyez ici, un service volé de la part d'Alcaraz qui vient un petit peu contrecarrer hein, cette déficience en service. Alors il est très malin en plus, hein, il va servir côté extérieur ici sur le revers, il sait que Evans nécessairement va passer sous la balle, va bloquer, et donc ça offre une volée relativement simple à déposer de l'autre côté. Donc Alcaraz qui montre que malgré quelques déficiences techniques, eh bien il y en a dans le cerveau, il y a des ressources tactiques du côté de cette jeune pépite. On a les ressources tactiques et puis on a forcément un bras de feu. Ici on le voit, hein, donc on a cette balle de break à 3-2, il va la convertir avec une accélération juste monstrueuse de sa part. Donc ça c'est vraiment sa plus grande qualité, c'est sa faculté d'accélération. On a vu un Dan Evans hein, qui a été fourbu à partir de la moitié du deuxième set, hein, je vous l'ai montré dans la palette précédente, à 3-1. Il a complètement baissé pavillon physiquement, on sait qu'il a disputé hein, cette exhibition, le tie break tense, il y a quelques jours, remporté par Zizou Bergs. Je sais pas si c'est lié ou pas à ça, en tout cas il a perdu 16 des 17 derniers points. Il a complètement laissé filer la fin de la rencontre et Alcaraz en a profité. Deuxième partie dans ce digest est le match de la journée entre Hubert Hurkacz et Andy Murray. On a eu 3 balles de match pour Andy Murray avant de finir par réussir à remporter cette rencontre en 2h43 de jeu. Alors on a eu une première balle de match ici, donc à 6-5 dans le tie-break du deuxième set. Andy Murray qui n'est pas forcément ultra performant sur les tie-breaks cette saison. Et donc on va le voir ici, donc un retour de service en revers extrêmement profond. C'est de cette façon qu'il avait réussi à faire le break dans le premier set, donc il va réutiliser cette stratégie. Sauf que Hurkacz l'attendait au tournant, il va faire un contre absolument énorme, juste long de ligne, il va sauver cette balle de match, il va remporter le tie-break et il va même se détacher avec un break d'avance au début du troisième. Alors, si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous êtes là aussi pour savoir bah, comment est-ce que Andy Murray a réussi finalement à battre enfin un top 10 cette saison et à battre Hubert Hurkacz sur leur troisième opposition sur cette saison 2021. Je pense d'abord, ça a été assez net, hein, à partir du break, Hubert Hurkacz, il a baissé physiquement. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Dan Evans hein, contre Carlos Alcaraz, et là on le voit, un décalage coup droit, il va sortir un coup droit assez long ici, et on a l'impression hein, déjà que d'avoir égalisé à un set partout, ça lui a demandé des ressources assez énormes en termes de mental et en termes de physique. Il arrive à basculer avec le break d'avance, mais derrière on sent il s'est complètement effondré. Alors je sais pas si c'est la pression de peut-être se qualifier pour le Masters, est-ce que c'est la fin de la saison, est-ce que c'est aussi le fait que bah, Murray est très bien joué, le niveau de jeu était excellent, ça fait plusieurs semaines d'ailleurs que c'est excellent côté Murray, mais ça avait du mal à convertir. Là enfin il a réussi à mettre le couvercle sur la cocotte minute. En tout cas très content pour Andy Murray de le voir à pareille fête, de voir aussi que ce joueur est capable en
encore de battre des joueurs de très très haut niveau. Il s'est bien battu, il s'est bien arraché dans tous les sens. Ça faisait un moment qu'il tournait autour de cette victoire. Et donc, dernière palette sur cette rencontre. Vous le voyez, la balle de Debrec. On est à 5-3 pour Murray qui sert pour la rencontre. Et il va aller chercher son match, tout simplement. Il va monter au filet, il va essayer de terminer. Et ça, c'est pas dans l'ADN de l'Écossais. On le sait, c'est plutôt un grinder, un pusher, quelqu'un qui aime rester dans cette zone à renvoyer les balles inlassablement pendant des heures et des heures. Non, là, il s'est fait violence. Il est allé vers l'avant. Il a essayé de terminer les échanges au filet. Et ça, ça montre aussi qu'il est conscient de ses lacunes actuelles, des choses qu'il faut faire pour améliorer son jeu, pour battre ces joueurs-là, c'est-à-dire être plus agressif, monter davantage au filet, claquer encore davantage ses services, ses premiers et ses deuxièmes. En tout cas, Andy Murray, là, il est dans la bonne direction et j'ai très hâte de le voir sur la fin de saison. Et même en fait, là, dès maintenant, à Vienne, parce qu'il va jouer Alcaraz au prochain tour, on a un tableau qui est XXL, hein, vraiment en Autriche, là, on se régale. D'ailleurs, on enchaîne avec la reco du jour. Et on enchaîne avec la reco du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte demain, et on a un Tsitsipas Dimitrov. Dimitrov qui sort d'un excellent Indian Wells demi-finale. Tsitsipas qui va essayer de faire des performances intéressantes pour pourquoi pas essayer de gratter la deuxième place mondiale à Daniil Medvedev. On sait qu'il n'est pas forcément très très loin, mais la saison indoor, en même temps, on connaît les lacunes, hein, en retour de service sur le revers quand il est agressé sur les surfaces rapides ou semi-rapides. En tout cas, le match contre Dimitrov, ce sera surveillé de très près, ce sera en deuxième rotation sur le central et également juste après le Krajinovic-Zverev. On se retrouve demain pour un nouveau débrief de Vienne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des strudel.